Alors bonsoir tout le monde, on va débuter. Alors bonsoir et bienvenue à cette séance du conseil municipal du mois d'août 2021. So welcome to this August 2021 Town Council meeting. Bienvenue à notre méga salle de conseil pandémique. So we are live on Zoom, but we're also live in person with our town resident in Schofield Hall. Je l'ai dit le mois dernier, je le redis ce soir. Je sais que je parle au nom de tous les élus en disant à quel point on est heureux d'avoir des gens devant nous pour cette séance du conseil. Ça a été un 16 mois particulièrement pénible de faire des conseils sans voir nos résidents. Je tiens d'abord d'ailleurs à saluer ceux qui sont présents avec nous ce soir, puis je tiens à saluer aussi ceux qui nous suivent via la plateforme Zoom. Comme il est maintenant la tradition, je vais débuter la séance en dressant un portrait de certains des dossiers importants pour notre communauté, des grands dossiers de l'heure à Mont-Royal. So I would like to start this meeting by providing all of you a status on some of the important issues for the city and for the community. Let's start with the good news. La place de la gare. Alors, pour ceux qui l'ont vu dans le centre-ville, ça a duré un week-end, c'était assez impressionnant. Le REM a apporté je ne sais jamais si c'est 26 de 28 ou 28 de 26, je vais vérifier dans mes notes. Ouais, les 28 poutres de 26 mètres. Alors, pendant un week-end, ils ont apporté les 28 poutres et les ont tous placés sur ce qui devient notre nouvelle place publique. Alors, pour une ville comme Mont-Royal, l'idée de se doter comme ça d'une nouvelle place publique en plein cœur, c'est assez magique. Et on est fort heureux de voir que les travaux côté CDPQ Infra avancent rondement. Vous savez qu'une fois que la dalle va être bâtie, CDPQ Infra, le REM, nous remet la place, nous donne les clés, si on peut dire que ça comme ça, et nous laisse aménager la place comme on le souhaite. Évidemment, on veut faire ça en faisant ça en collaboration avec nos résidents. Donc, je vous réitère notre invitation pour le 29, dimanche le 29 août, dans une semaine. On fait la consultation dans le parc Connaught. So, we want to start the planning of the design for this new public space. And we are therefore inviting all of you residents to join us on Sunday, August 29th for a public consultation. It will be a perfect moment to hear from you, to hear your thought and suggestion and exchange ideas with you. Alors, c'est la semaine prochaine, donc dimanche prochain. On veut s'inspirer, je l'ai dit le mois dernier, on veut s'inspirer de la consultation qu'on avait fait au Parc Mohawk il y a trois ans maintenant, en 2018, quand on a voulu lancer une réflexion sur l'avenir du parc Mohawk. Alors, on veut tenir essentiellement le même genre de consultation, très informel. Nous, on va avoir de notre côté toute l'information et on veut discuter, on veut brainstormer avec nos résidents. Alors, toutes les idées sont bonnes. Alors, à quoi ressemblera cette nouvelle place publique-là qui s'en vient? Deuxième bonne nouvelle, écoutez, la consultation royalement est terminée. Moi, je considère que la consultation a été une réussite. Il y a eu énormément de participation. Et je voulais simplement annoncer que tous les résultats de cette consultation-là, autant le sondage que les commentaires qu'on a reçus, que le exit poll qu'on a fait pour les gens qui avaient participé à la consultation en Zoom, tout est disponible sur le web, sur notre site web. Alors, la prochaine étape dans ce dossier-là du Royal Mount, elle n'est plus dans nos mains à nous. On l'a déjà annoncé. La prochaine équipe qui sera à la tête de la ville en novembre prochain décidera de la direction que prendra ce projet-là. So, just to say that all the studies and all the results of the consultation are right now on the website of the town, and the next step will be decided by the newly elected council in November. C'est pour les bonnes nouvelles. Les mauvaises maintenant. Alors, le 9 août dernier, le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations Unies, a rendu son dernier rapport.
Vous l'avez probablement vu dans les médias comme nous, que ce rapport est extrêmement alarmant et extrêmement pessimiste. On peut dire, et je cite ce qu'on lisait dans les médias, que l'humanité est en train de perdre sa bataille contre les changements climatiques. On vit actuellement probablement l'été le plus chaud de notre histoire, et pas seulement ici à Montréal, pas seulement ici au Québec, mais pas mal partout dans l'hémisphère nord. Alors, prenant acte de la situation et compte tenu que notre plan de développement durable de Ville-Montréal était venu à terme en 2020, en pleine pandémie, j'ai demandé à nos experts de la Ville de se mettre au travail cet été, dès le mois de juin, on avait déjà amorcé le travail, pour produire un nouveau plan de développement durable pour la Ville, un plan qu'on veut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus à la hauteur de la situation. Alors, ce soir, j'annonce donc que moi et les collègues municipaux de la majorité présenterons lors de la séance du Conseil de septembre un nouveau plan de développement durable 2021-2025 qui, je le souhaite, saura se montrer plus lucide face à ce qu'on peut faire pour faire face à cette situation particulièrement préoccupante. So, obviously, I said in French, well, I said in English, we're losing the battle against climate change. The Northern Hemisphere just lived the warmer summer ever. And is this a glimpse of what's await us for the years to come? So taking note of the situation, I asked our expert in the town to produce a new sustainable development plan, a more ambitious plan. So I am therefore announcing that me and the council will table at the next September council meeting, the 2021-2025 Sustainable Development Plan. L'autre mauvaise nouvelle, on l'a su aujourd'hui, on doit malheureusement annuler le feu d'artifice prévu la semaine prochaine. On a reçu, c'est une question d'heure, là, on a reçu très, très récemment des directives de la santé publique qui nous disait que si on voulait tenir le feu d'artifice, il énumérait une liste de conditions, de critères, et il nous est impossible, avec les effectifs qu'on a, de répondre à tous ces critères-là. Alors, il fallait notamment demander aux gens de s'inscrire, s'enregistrer, d'avoir des billets numérotés, que tout le monde ait une place réservée, même si c'était debout. C'est ingérable. Alors, on a pris la décision cet après-midi qu'on annulait le feu prévu la semaine prochaine. On va voir comment la situation va se dérouler en septembre et peut-être qu'on pourra, fin septembre, début octobre, en réorganiser un. Mais là, on va laisser la santé publique gérer l'arrivée du passeport sanitaire la semaine prochaine et on verra ensuite c'est quoi les nouvelles directives pour notre ville. So, we're canceling the firework. That was planned for next week. It's not our decision. It's not a good decision. It's just following the new directive from Santé Publique. It was too complicated to try to organize the firework. On a appris aussi que la ronde avait annulé le sien parce qu'ils ont eu les mêmes conditions que nous. Ils viennent d'annoncer qu'eux aussi annulaient les feux d'artifice à la ronde. Donc, c'est pas juste la ville, c'est la réalité. Voilà, donc ça fait le tour des dossiers de l'heure. On va enchaîner avec la séance du conseil. To all of you, have a great, great council meeting and a great evening. Je vous rappelle que je suis accompagné à ma gauche par Eva Couch, la directrice générale de la Ville, et à ma droite par Maître Alexandre Verdi, notre greffier à la Ville. J'ai avec moi le plaisir d'avoir aussi les six membres du conseil. Et je vais leur demander, un après l'autre, on va commencer avec Michel à ma droite. Un après l'autre, je vais les inviter à venir à dire un petit mot d'ouverture. Donc, Michel. Bonsoir à tous. Est-ce que mon micro fonctionne? Trois petites annonces. Premièrement, la ligne verte. The green line is available to all citizens for questions about invasive plants, pesticides, etc. Il y a une ligne verte disponible aux résidents. C'est le 734-4222. Également, petit détail, l'horaire d'été pour tous les bureaux administratifs. So the summer hours will finish soon. Se terminera le vendredi 3 septembre. Nous allons reprendre les heures normales de bureau le mardi 7 septembre de 8h30 à 16h30.
Et finalement, au niveau de la bibliothèque, notre super bibliothèque au niveau de la section jeunesse, c'est la fin du club de lecture d'été TD, End of the TD Summer Reading Club. Par contre, il n'y aura malheureusement pas de fête de clôture le vendredi 27 août. Au niveau de la section des adultes, j'ai sous les yeux une programmation intéressante. S'il est possible de tenir des activités à la bibliothèque, il y aura des rencontres. Je ne dirai pas tous les détails, je pense qu'on devrait se référer au site web. Il y aura des rencontres en septembre, octobre, novembre, décembre et janvier sous le thème « Les rendez-vous du premier roman ». La bibliothèque cherchera des passionnés de lecture pour lire 10 nouveaux romans de 10 auteurs québécois. Et il y aura donc des rendez-vous pour faire donner vos impressions. Et au niveau des journées de la culture, samedi le 25 septembre et dimanche 26 septembre, il y a des activités aussi qui seront prévues. Voilà. Merci beaucoup. Joseph? Oui. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, j'ai une annonce concernant, c'est bientôt la rentrée scolaire en fin août. Alors, c'est un rappel aux automobilistes, aux piétons, cyclistes, de faire très attention autour des écoles. La sécurité publique aura des effectifs supplémentaires autour des écoles pour les deux premières semaines de retour aux classes. Les agents de la sécurité publique seront sur place aux heures d'entrée et de sortie des classes pour sécuriser les lieux et sensibiliser les parents et autres automobilistes en ce qui concerne la vitesse, le respect des passages pour piétons, le respect des autobus scolaires, de même que toutes les règles de stationnement et de sécurité qui s'appliquent. Et tout ceci, c'est en collaboration avec la police de Montréal. Après cette période, les agents de la sécurité continueront à assurer une présence quotidienne pour toute la durée des classes aux endroits ciblés et stratégiques en fonction des ressources disponibles. Alors, s'il vous plaît, soyez prudents pour assurer la sécurité de nos élèves et bonne année scolaire. Merci. Merci beaucoup, Joseph. Erin Kennedy. Yes, good evening. The autumn winter brochure is available to you online. The registration period for the aquatic program begins tomorrow from 6 p.m. until midnight. And the online registration for other activities begins Monday the 30th from 9 a.m. And as usual, if you need help, you can always call the office at 514-734-2928. Et en plus, le magazine municipal VMR Info sera distribué cette semaine dans tous les foyers monterrois. Alors voilà. Merci beaucoup. Jonathan Lang. Bonsoir tout le monde. Good evening. J'ai deux annonces sur la sécurité surtout. The first one is with regards to speeding on our streets. Please remember that the please respect the maximum speed limit of 40 kilometers an hour on TMR streets and 30 kilometers an hour in school zones and around parks. Police surveillance is increasing and has been increased and will be for the next few weeks as school is starting up. Deuxièmement, dans le district numéro 6, toujours dans le souci d'apporter des améliorations au niveau de la circulation, nous avons le plaisir de vous annoncer que les changements ont été effectués à l'intersection de Saint-Clair et Dawson. You may have noticed that the sidewalks have gotten a little narrower, so to decrease the speed in that area as well, people taking the corner from Saint-Clair onto Dawson. Thank you. Merci, Madame Menziam-Lotti. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, good evening. J'ai deux annonces que j'aimerais bien vous présenter. Premièrement, c'est la journée Terry Fox 2021 pour la recherche sur le cancer. Elle aura lieu le dimanche, le 19 septembre 2021. Cette année, en raison de COVID-19, les organisateurs ont décidé d'avoir une journée Terry Fox virtuellement. Plus de détails à venir. Et le deuxième item, c'est le Golden Circle Events. Again, this year, due to COVID-19, the recreation team will visit the senior residents between September 7 and 17 with gifts.
which are normally offered during this annual celebration. Thank you. Merci beaucoup, Mr. John Miller. Right. Don't forget your municipal tax bills are due this week. Can't hear. Can you hear me now? Yes. Okay, your municipal tax bills are due this week. Wednesday is the final day, and if you don't get your bills paid by Wednesday, there will be interest charged. Second of all, Labor Day, all municipal offices will be closed on Monday, September 6th, and this includes the library. Last of all, the Municipal Association has awarded their Citizen of the Year award this year. And l'Association Municipale de Montréal est heureux d'annoncer que Larry et Cookie Rossi sont les récipiendaires du Prix Citoyen de l'année 2021 en honneur de leur contribution exceptionnelle à la Ville de Montréal en 2021-2020 et au cours des années précédentes. En raison des restrictions de la pandémie, il n'y aurait pas de présentation formelle. But I would like to add, Michel Favre isn't here, but I worked with Michel Favre about 10-15 years ago on a cultural committee where we were looking to get some sculptures put in the town. And Cookie was a member of that committee and a very good member. I think the Rossi family is a longtime family, and I think the contributions that they have made in the last several years are very important, and citizens will know and remember for many years to come. So congratulations to Larry and Cookie. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur Miller. Thank you, John. We're now at item number 2, so the adoption of the agenda. Madame Minziam Lotti. Oui, merci, Monsieur le Maire. Je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 23 août 2021. Je seconde. Et merci, je demande le vote. Merci, c'est adopté. Nous sommes donc au point, la première période de questions du public. Comme on a fait le mois dernier, on va débuter avec les questions qu'on a reçues par Zoom. Il y en a 4, si j'ai bien compris. Il y en a 4 et ensuite, on passe aux questions ici dans la salle. Alors, je vais demander à Mme Couch de faire la lecture des questions qu'on a reçues. Donc, bonsoir. La première question de Sophie Turpin de l'avenue Mitchell. En référence à la séance du 16 mars 2021 concernant le PPU Rockland, une nouvelle étude de circulation devait être mandatée. En espérant que celle-ci soit avec une compilation réelle de la situation sur le terrain et non pas une simulation comme la précédente, est-ce que cette étude a été entamée? Bonsoir, Mme Turpin. La réponse est oui. Il y a eu une nouvelle étude qui a été réalisée et les résultats qui en découlent ressemblent beaucoup à ceux qui étaient dans la première étude. Alors, merci. Question numéro 2, Anne Streeter from Kenilworth Avenue. We are led to believe that a proposed residential component of the Royal Mount project will be a tax bonanza for TMR citizens. Peter Trent, mayor of Westmount for 18 years, argues that on the contrary, in some cases, municipalities could incur losses even if developers pay for infrastructures such as roads, water, and sewers. The demand of new residents for services can exceed revenues they generate. Then there are regional services such as police, public transport, etc. Peter Trent remarks that in many municipalities, it is the commercial sector that subsidizes the residential sector. Vera Daniluk used to say that TMR, unlike many other municipalities, was very fortunate to have an industrial sector. If there are overwhelmingly negative benefits to TMR with this project, then what is the point?
Well, good evening, Anne. Well, it's true, as Vera said, that we are very fortunate to have an industrial park, and we don't need Peter Trent to realize that. And the town intend to keep the vitality of our industrial sector. We did have a financial study regarding the possibility of adding residential to the actual Royal Mount commercial project. The financial study, in my view, is very clear, and that it's going to be very beneficial for the town if we had residential to the commercial project. I invite you to come read the study. It is on the website of the town. So please just look at it, and I'll be happy to talk about it with you. Thank you. Question numéro 3, Ghislaine Pidnaud, Avenue Wicksteed. Bonjour à tous, maires et conseillers. Je viens d'apprendre qu'il y a préconsultation ce 24 août 2021 sur un projet de développement immobilier sur le site de la synagogue Bethel. Comme je n'ai rien reçu, j'imagine que l'invitation s'applique uniquement à la zone contiguë et que seuls les résidents qui y habitent pourront faire opposition au projet. Pouvez-vous me confirmer que les citoyens invités à cette soirée de présentation du projet seront obligatoirement résidents des zones contiguës? Et dans le cas d'une ouverture plus large aux citoyens de Ville-Mont-Royal, également affectés par la multiplication des projets privés de développement immobilier, quelle est la façon d'assister à cette soirée de préconsultation si on n'a pas reçu d'invitation? Ma question simplifiée est celle-ci. L'invitation à cette préconsultation s'adresse-t-elle uniquement aux résidents de la zone contiguë, oui ou non? Dans le cas où la réponse serait non et que d'autres résidents n'habitant pas la zone contiguë au projet auraient reçu une invitation à cette soirée, comment s'est opéré le choix des participants? Les effets perturbateurs des nombreux projets de densification affectent toute la population monteroise. Pourquoi limiter la participation à la consultation du 24 août 2021 par des invitations ciblées? C'est bon? Bonsoir, Mme Pennaud. Bon, premièrement, il faut le mentionner, ce n'est pas une consultation. Et il n'y a personne à qui on demande de venir s'opposer ou pas. C'est une soirée d'information. Alors, il y a un projet. Tout le monde sait que la synagogue Bethel, malheureusement, a fermé ses portes il y a déjà plusieurs années. La synagogue a vendu le terrain à une entreprise qui discute avec la ville depuis déjà plusieurs années, à savoir comment développer ce terrain-là. C'est très clair que ce terrain-là va être transféré vers du résidentiel, compte tenu qu'il n'y a pas d'église ou de synagogue qui a souhaité prendre les lieux. La ville a toujours émis une condition pour aller de l'avant avec ce projet-là. Ça, c'était qu'il fallait que le promoteur soit prêt à céder une partie du terrain à la ville pour en faire un espace vert. On remarque que dans ce secteur-là, il n'y a pas de parc, il n'y a pas d'espace vert, il n'y a pas d'endroit pour des modules de jeu sur Lucerne du côté ouest. Alors, nous, on a dit, si on veut parler de changement de zonage, on doit avoir un engagement du promoteur qui est prêt à céder une partie du terrain pour en faire un parc. Et c'est de tout ça qu'on veut discuter avec les résidents. Donc, demain soir, oui, il y a lieu cette séance d'information-là. On a invité les gens qui étaient dans les zones contiguës, donc les gens qui habitent autour de la synagogue. Évidemment, on ne pouvait pas inviter toute la ville. Alors, ce qu'on souhaite d'abord, c'est établir un début de conversation avec les gens qui seront aux premières loges de ce changement, de cette réaffectation-là d'usage sur un terrain. Et on veut, nous personnellement, moi personnellement, je crois que c'est un plus pour ce quartier-là. À terme, il va y avoir beaucoup plus d'espace, de verre qu'actuellement avec la synagogue et ses grands stationnements. L'idée, c'est de le présenter demain soir. Et oui, Mme Pennaud, s'il y a des gens qui n'habitent pas les zones contiguës, mais qui souhaitent y participer, les portes sont ouvertes, les gens peuvent venir. La salle, on me dit que la salle est très grande, alors les gens sont bienvenus.
Merci. La dernière question, Françoise Legris, Boulevard Graham. En septembre 2019, par la résolution 190905, le Conseil autorisait la directrice générale à signer un contrat de vente avec l'artiste Claude Millette pour la fabrication de l'œuvre Éclosion, choisie par un comité de sélection en juin 2019. Le paiement d'un montant de 199 533,36 $, taxes incluses, à Claude Millette pour l'œuvre, montant payable en trois versements égaux. Et la directrice générale a signé une entente pour l'utilisation commune d'un immeuble avec l'Université de Montréal concernant l'œuvre. Il est dit que cette sculpture devant être érigée sur le campus 1000 de l'Université de Montréal n'était pas un don à l'Université de Montréal, et elle serait érigée sur un terrain appartenant à Ville-Mont-Royal. Mais par ailleurs, la résolution mentionne l'utilisation commune d'un immeuble avec l'Université de Montréal. La question est, quelle était cette entente avec l'Université de Montréal pour l'utilisation commune d'un immeuble et de quel immeuble s'agit-il? Pourquoi la sculpture n'a-t-elle pas été érigée sur le site prévu qui pouvait accueillir une telle sculpture monumentale de 8 mètres de hauteur, telle que décidée par un comité formé de représentants de la ville et de l'université, de même que d'une consultante en art? Comment se fait-il que 2 ans plus tard, la sculpture se trouve toujours couchée dans l'atelier du sculpteur? Et enfin, comment peut-on justifier qu'une sculpture monumentale destinée à un site précis soit dérivé vers un autre site improvisé qui ne justifie pas ses dimensions et qui ne mettra pas en valeur cette œuvre d'art publique? L'opération entière n'est-elle malheureusement pas un autre raté du Conseil? Il y a 5 questions en 1. Je vais commencer par le commentaire. Non, c'est vraiment pas un autre raté du Conseil. Amener une œuvre d'art au cœur de la ville puis laisser nos résidents, nos citoyens, profiter et avoir accès à des œuvres d'art, je ne crois pas que c'est un raté. Mais racontons un peu l'histoire. Donc, il y a plusieurs années, l'Université de Montréal a amorcé la construction du nouveau campus 1000 qui connecte avec Ville-Mont-Royal par l'avenue Beaumont. À l'époque, le recteur, M. Brodeur, nous avait demandé à la ville de participer comme l'arrondissement Outremont, comme la ville de Montréal et comme l'arrondissement Rosemont faisait. Ils nous ont demandé de participer en préparant une œuvre d'art sur l'entrée à Ville-Mont-Royal. On a trouvé que l'idée était excellente. Alors, on est allé de l'avant, on a eu un concours avec des experts, on a choisi notre artiste, on a choisi l'œuvre, l'œuvre a été faite. On devait inaugurer l'œuvre au printemps 2020. On sait, au printemps 2020, il y avait une pandémie. Donc, on devait prendre une pause 2 semaines à l'époque. Et donc, on a attendu pour l'inauguration. On l'a remis à l'automne. Et entre-temps, il y a eu un changement de direction à l'Université de Montréal. Un nouveau recteur est arrivé. Et il y a eu des discussions d'amorcer avec l'administration de l'Université de Montréal qui... Et c'est leur raison, c'est à eux de l'expliquer. Ils étaient beaucoup moins intéressés par le projet de sculpture partout sur le nouveau campus. Et on a senti qu'il n'y avait plus une volonté de la part de l'Université de Montréal de prendre, de poser l'œuvre sur leur terrain. On en a discuté à cette époque-là entre élus. On a discuté aussi avec, évidemment, l'artiste, parce que c'est son œuvre. Et à ce moment-là, on a eu l'idée... assez génial, je pense, parce qu'on venait de décider d'aller de l'avant avec la Dalle Park, le nouveau parc dans le centre-ville. Et on s'est assuré que l'artiste était très, très à l'aise de voir son œuvre déménager au centre de la ville, là où il y aurait beaucoup plus de monde qui le verrait. Et il était tout à fait enchanté par l'idée. Alors, on a pris la décision, donc, de poser la sculpture là. Si vous voulez voir la sculpture, on a un modèle réduit, pas 8 mètres, mais à peu près 1 pied de haut, mais ça donne quand même une idée, qui sera disponible par Connaught la semaine prochaine lors de la consultation. Alors, peut-être juste rajouter que depuis 11 ans que j'ai la chance d'être maire de la ville, depuis 11 ans, moi et notre équipe,
On a inauguré dans Ville-Mont-Royal 4 œuvres d'art dans les parcs. Il n'y en avait pas avant. C'est pas vrai. Il y avait La mère et l'enfant qui était au centre Rockland, qui a été déménagé devant la bibliothèque. Mais en fait, là, je viens de penser qu'il y en a une cinquième. Donc, on a inauguré 5 œuvres d'art depuis, parce qu'on pense que c'est important, nous, l'art public. On a aussi mandaté des firmes pour nous faire 3 murales à travers Mont-Royal, des œuvres d'art, ça aussi, publiques. Alors, en amener une nouvelle, nous, on croit que c'est un bon geste de la part d'une ville d'amener de l'art public pour que les gens la voient, les gens puissent y toucher, les gens puissent avoir accès à l'art public. Alors, je comprends que Mme Legris ne partage pas ce point de vue-là, mais je pense que tous les élus ici croient à l'importance de l'art public. Et l'œuvre qu'on va mettre devant, dans le parc, va être une œuvre grandiose qui va définir beaucoup l'image de Mont-Royal par après, quand le REM va être ouvert. Alors, voilà, merci. Il n'y a pas eu d'autres questions? Donc, on pourrait passer aux questions maintenant aux gens présents dans la salle. Simplement, donnez votre nom et votre rue ou votre adresse. Tu peux enlever le masque. Tu peux enlever ton masque, si tu veux, pour la question. Cynthia Coutia, 1830 Boulevard Laird. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, Cynthia. Donc, ma question est sur le projet du centre sportif. À la dernière séance du conseil, vous avez annoncé que vous aviez l'intention de retourner en appel d'offres au mois de septembre. Alors, je voulais simplement savoir si vous pouviez partager avec nous des avancements sur ce dossier. Oui, avec grand plaisir. Il y a eu des avancements, malheureusement pas très positifs. On avait mandaté nos gens ici à l'interne de revoir le projet, de voir où on pouvait couper dans le projet et vraiment de travailler très fort, savoir combien valait le projet en temps réel, pas il y a 2 ans, mais maintenant. Et les chiffres qu'on a, malheureusement, même si on coupe un certain nombre de millions de dollars sur le projet est rendu trop cher pour le règlement d'emprunt qui avait été fait il y a 3 ans. Alors, il a été décidé que là, c'est pas une administration dans laquelle il reste 2 mois à son mandat de repartir le projet. Alors, ça sera une nouvelle administration de reprendre le flambeau et puis de trouver une solution à ce projet-là. Parfait. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom, c'est Joanna Avanitis et je suis ici. J'ai participé à la consultation publique de Royal Mount et en faisant du brainstorming, j'ai eu d'autres idées inspirantes. Donc, je voulais juste en bref vous parler des problématiques de logistique parce que moi, je m'implique avec l'aspect de quartier de design, qui est un quartier de design très important. Et comme vous avez préservé les immeubles au quartier industriel, ça fait plus prestigieux pour la ville. In other words, the real estate value goes up when you start to preserve industrial buildings and recycle them and use them. It gains a prestige for the city. In patrimonial, it's called patrimonial design, industrial design. So the second problem that I want to address is the change of the corporate platform and the outsourcing of material, the outsourcing of job tasks, and more the problem that in the future, the corporate, they used to have 2 floors that were accorded to a corporate empire, but now because of the changing platform, the business offices are shrinking because of the outsourcing. Thereby, the need for such corporate buildings is diminishing. Also, the problem of the density, the height density, you need a special permit from the city, from the municipal city to build so high. Is there going to be a question with this? Okay, yes. So, what I propose, this is my
a final statement in the is a reevaluation of the needs of the immediate area, and I proposed a Cineplex complex for the reason there is a special emblematic, it's called Théâtre Nostalgique. It happens once a month. They revive for the elderly citizens nostalgic cinema. They also have opera and ballet that's diffused. And also we can screen, I don't know if you know Les Explorateurs. It's Explorateurs. It's shown in the Old Port. It's a special cinema production where they the filmmakers go globally worldwide and they show historic areas like in Paris and Rome, and the elderly people can see this. If they don't have money to travel, they can see this. So, and also the Festival Film du Monde can be shot there. If you put a cinema complex, they can show the movies there. So, also I wanted just in closing to mention the context of the beautiful buildings on Dakari further down with the blue glass. Those are beautiful, and if you go look at them, the glass buildings on Dakari, they're gorgeous, and that if you take the continuity of this into the Royal Mount project, it would be a much more successful project visually. I want to thank you all for taking all this into consideration and to reevaluate the project. Thank you. Okay. Thank you. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Caroline Decalluy. Je suis au 138 Avenue Kenniston. Alors, ma question concerne le département d'urbanisme. 2001 a été une année très chargée en termes de nombre de dossiers à traiter. On sait également qu'il y a eu un peu de mouvement de personnel qui aurait pu déstabiliser un peu l'équipe pour répondre adéquatement et rapidement aux demandes de permis. Alors, ma question est la suivante. Que prévoyez-vous faire pour régler cette problématique à court terme, de répondre rapidement aux longs délais qui existent pour l'obtention de permis? C'est une question qui relève des ressources humaines, donc je vais laisser Mme Couch répondre. Donc, actuellement, on est en dotation des postes qui sont vacants. On a ajouté du personnel, on a mis du personnel même temporaire. Les postes qui ont été, ou les personnes ont quitté, sont déjà comblés. On a des nouvelles personnes qui rentrent, une personne qui rentre lundi prochain, deux autres qui rentrent le lundi suivant. Les employés font du surtemps. Les courriels qui étaient en retard, on s'est rattrapé la semaine dernière. Ça ne veut pas dire que tous les dossiers sont traités, mais les courriels ont été rattrapés, traités et donner aux bonnes personnes pour les suivis. Donc, on fait tout ce qu'on peut faire, mais je peux vous dire que quand on affiche un poste et des fois, il y a trois personnes qui appliquent dessus ou personne qui applique dessus, c'est quand même difficile et on ne comblera pas un poste avec quelqu'un qui n'a pas les bonnes compétences ou qui n'est pas la bonne personne. Parce que ni la personne elle-même ne sera pas satisfaite de son choix, les collègues ne seront pas satisfaits et la ville ne sera pas satisfaite. Donc, on est là-dedans, on met tous les efforts pour que ça continue. Et je dois dire qu'à ma connaissance, je pense qu'on a fait des gros pas d'avancée et que les choses vont beaucoup mieux. Je suis bien d'accord que ce n'est pas parfait, mais on a beaucoup avancé. Merci. Peut-être juste un complément d'information. Quand on parle, quand j'ai l'opportunité de parler aux autres maires des villes autour de Mont-Royal, ça semble être le même problème partout. Clairement, personne n'a vu venir un genre de pénurie d'urbanisme ou de techniciens en urbanisme. Il semble y avoir. Il y a eu un boom aussi en rénovation actuellement partout. Alors, évidemment, la charge de travail a augmenté. Donc, c'est un peu une tempête parfaite, la pandémie, le manque le manque de main-d'œuvre et la hausse de dossiers à traiter. Mais on a mis les élus, on a donné un mandat très clair à Mme Couch de trouver des solutions rapidement. Merci. Bonsoir, Daniel Pilon, 150 Thornton. Bonsoir, Daniel. Ça fait plaisir. Ma question est la suivante. Le 13 juillet dernier, vous avez mis en ligne des études sur le site Internet de la Ville
au lendemain de la rencontre du conseil, vous disiez les études vont être en ligne. Effectivement, le 13 juillet, les études étaient en ligne et il y avait une étude urbanistique qui s'intitulait « Demande de modification du schéma d'agglomération, introduction du volet résidentiel pour le projet Royal Mount ». Moi, j'étais très surpris parce que l'étude est datée de juin 2020 et elle a été déposée en juillet 2021, 13 mois plus tard. Et je voudrais citer l'étude pour le bénéfice de tout le monde. C'est écrit noir et blanc, premier paragraphe de l'étude. La Ville de Mont-Royal approuve l'inclusion de la fonction résidentielle au projet Royal Mount et aux abords de l'autoroute des Carrés, A15, et vise la construction d'au plus 4500 logements au terme de la requalification urbaine du secteur. Pourquoi le Conseil a déposé une étude une année et un mois plus tard? Pourquoi avoir laissé les citoyens dans l'ignorance pendant une année quant aux véritables intentions du Conseil, quant au volet résidentiel de Royal Mount? Bien, écoutez, ce que l'étude dit, c'est qu'on était en faveur à ce moment-là. Entre-temps, il est arrivé, entre le moment où l'étude a été produite par nos consultants et l'année qui a passé, il est arrivé deux choses. Il est arrivé, un, la pandémie, et deux, il est arrivé que le promoteur a changé son projet de son côté à lui. Alors, on est revenu à la case départ. On avait mis sur la table nos conditions, les hauteurs, nos conditions. Le promoteur devait prendre à sa charge une série de responsabilités, d'assumer financièrement beaucoup de choses. Le nombre de portes, tout était écrit. Entre-temps, il est arrivé avec un nouveau projet. Il a changé son projet suite à la pandémie, ce qui a appelé son Royal Mount 2.0. Et on est revenu à la case départ. Et là, ce qu'on vous a présenté en juin, c'était vraiment où on en était en juin 2021. On n'a rien caché à la population. Le projet a évolué entre-temps continuellement. Mais est-ce que le promoteur, dès 2015, ne demandait pas un volet résidentiel? Dès 2014, le promoteur avait demandé la possibilité d'avoir du résidentiel. Décision à l'époque que la Ville avait dit non. OK. Et quand l'étude a été déposée en juin 2020, donc les membres du Conseil, un peu avant probablement, parce que l'étude est déposée après que les membres du Conseil en aient pris connaissance, pourquoi entre l'année 2020 et 2021, à chaque fois qu'on posait des questions des citoyens sur le volet résidentiel, tout le monde nous disait « on réfléchit, on ne sait pas ». Il y avait une étude qui disait « on est favorable en 2020 ». Non, non. L'étude 2020 était en lien avec un projet Royal Mount qui n'était plus sur la table, qui a évolué grandement vers un autre projet qui était le Royal Mount 2.0. Alors, on est revenu à la case départ où on a recommencé les discussions avec le promoteur. Ça aurait été intéressant que l'étude soit plus spécifique pour éclairer les gens, parce que l'opinion de plusieurs personnes, c'est de dire bien, les dés sont pipés dans ce dossier-là. Le Conseil a toujours été favorable au volet résidentiel. Oui. Bien, c'est « damn if you do, damn if you don't ». Des fois, on se fait reprocher de commencer, d'amorcer une discussion avec les résidents, puis on nous dit « mais vous n'avez même pas vos études, vous n'avez même pas les chiffres, vous n'avez rien ». Et des fois, on attend d'avoir tout et là, on se fait dire ben, « vous cachez des choses à la population ». On ne peut pas gagner dans cette situation-là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un projet qui a grandement, entre 2015 à 2021, je dirais qu'il y a facilement eu 4 ou 5 différentes propositions avancées par le promoteur. Je comprends que vous avez évolué dans votre pensée, c'est tout à fait normal, mais le promoteur, lui, a toujours voulu un volet résidentiel. Oui, depuis le jour 1. Mais nous, dès le début, on avait dit non, ça avait été clair, et là, les choses ont changé. Mais quand vous dites, on est prêt à aller jusqu'à 4500, et vous mettez des modalités là-dedans, donc, vous êtes favorable au volet résidentiel? Bien, le Conseil l'était. Est-ce que le Conseil l'est encore maintenant? Clairement, il y a des gens qui ont changé d'idée entre-temps, puis c'est correct. Et puis, ça sera un autre Conseil, finalement, de trancher la situation. Moi, je ne l'ai jamais caché. Moi, j'étais en faveur du résidentiel. Et le 4500 que vous avez dans le rapport, ce n'est pas pour Royal Mount. C'est non, pour une zone très... C'est une zone. Et ça, c'est encore surprenant aussi de voir qu'une municipalité autonome déborde sur le territoire d'une autre municipalité. Non, on ne déborde pas. Ce que je veux dire, c'est que le 4500 déborde du secteur Royal Mount. C'est ce que je dis. Mais le reste, c'est encore le terrain de Ville-Mont-Royal.
Il n'y en a pas une partie qui est sur le territoire de Montréal? Non, pas dans le projet, pas okay. ce projet-là. Non, pas okay. du tout. Je m'excuse, je me suis trompé. Et entre-temps, la situation a changé beaucoup. En 2015, à part l'hippodrome un peu, puis le Namur, le triangle Namur qui était comme un rêve, il n'y avait pas grand-chose qui bougeait dans le coin. 7 ans plus tard, on voit le quartier complètement en train de se métamorphoser vers du résidentiel. Donc, la situation n'est plus la même. À l'époque, Valérie Plante, dès 2019, s'est opposée au projet et elle a dit, moi, à titre de président de l'agglo, je vais l'accepter le projet s'il y a du résidentiel. La commission Jonca Adenau de Québec a dit la même chose. Donc, il est arrivé plein d'autres voix qui se sont impliquées dans le dossier et qui, eux aussi, insistent avec beaucoup, beaucoup oui. d'intérêt à mettre du résidentiel. Mais ce qui est gênant pour les citoyens, c'est de ne pas avoir de position claire d'un conseil sur un projet aussi important que ça. Merci. Merci. Bonjour. Bonsoir. Bonjour à tous. Bonsoir. Sophie Séguin, 535 Walpole. Bien, ma question a un rapport avec la synagogue, mais je veux commencer par un commentaire parce que je suis assez. Je veux exprimer mon. Je suis, je dirais, très déçue d'apprendre qu'il n'y a aucune action qui va être prise pour le centre sportif jusqu'en novembre quand on met de l'énergie sur d'autres projets. Puis c'est un projet qui est important pour les familles, puis qu'on met tout sur la glace et que ça traîne depuis tant d'années. Là, j'apprends ça là, puis j'avais pas le choix que de vous dire que je suis déçue pour tout le monde autour de la table de prioriser d'autres projets que ceux qui sont importants pour les résidents. OK, mais le projet a pris du temps, notamment parce que Peter Malouf nous a fait perdre 6 mois, qui était probablement la fenêtre sûrement. Qu'on avait pour avoir le centre sportif. C'est certain que c'est la seule raison. Petit édito. C'est sûr, c'est la seule raison. Ma question, c'est par rapport à la synagogue, comme on a tous appris par les médias sociaux et non par la ville, de cette, je sais là, vous appelez ça une séance d'information, c'est appelé une séance de préconsultation. Je veux savoir, est-ce que vous pensez que c'est dans l'intérêt des résidents de restreindre et de s'en tenir toujours au minimum pour l'information aux résidents? Ça, c'est ma première question. Est-ce que vous pensez que c'est dans l'intérêt dans un projet comme ça qui implique des impacts sur la sécurité et la densité de ce secteur-là, qui est déjà très occupé. Tu as une autre question? Tu veux que je réponde? Oui, mais je vais te laisser répondre à celle-là. Premièrement, ce n'est pas une consultation, ce n'est pas non plus une pré-consultation, c'est une soirée d'information. Tout le monde est invité. Donc, je pense que ce qu'il faut, c'est amorcer un dialogue avec nos résidents sur l'avenir de ce terrain-là. C'était une synagogue. Seule sera plus. Clairement, la communauté juive a décidé de déménager ailleurs. Il faut faire de quoi on ne laissera pas un édifice abandonné. Et il y a quelqu'un qui a décidé de l'acheter, qui a proposé à la ville un projet. Nous, on trouve le projet intéressant. Est-ce qu'il est parfait? Je ne le sais pas. Mais on va au moins commencer à le présenter aux résidents pour avoir leur feedback. On va le présenter surtout à ceux qui habitent tout près, qui sont sûrement les plus consultés. Ouais. Ma question, ce n'est pas sur le projet. Ma question, c'est sur le processus d'information. Puis la divulgation. Est-ce que je veux savoir, est-ce qu'il y a des conseillers qui se sont opposés au processus restreint comme ça de pré-consultation? C'est écrit pré-consultation sur le document que vous avez distribué aux quelques résidents qui ont été choisis. La réponse, c'est non. Je ne crois pas qu'aucun conseiller s'est opposé à ce qu'on veuille communiquer de l'information à nos résidents. Au groupe restreint. OK, merci. Bonjour. Mon nom est Claudia Parker. Bonsoir. Et du 775 Plymouth. Est-ce que ça vous dérange si je monte là? Je me présente comme porte-parole d'un groupe de citoyens résidant à Ville-Mont-Royal, habitant l'adresse 775 Plymouth. Le problème actuel est la génération de bruit, de pompes et de vibrations insupportables, 24 heures sur 24, produit par un chantier de construction voisin de cette adresse, qui nuit à la jouissance paisible des lieux et de nos propriétés et nous empêchant, entre autres, de dormir la nuit. Depuis le mois de mai 2021, la sécurité publique a été contactée une centaine de fois. On a fait appel à eux. Tous ces appels sont restés sans conclusion, sans rappel. Finalement, le 11 juin 2021, un agent de la sécurité publique m'a rappelé, me disant qu'ils ont les mains liées, qu'ils ne peuvent rien faire, car le promoteur a obtenu un permis spécial pour la réalisation de ses travaux. Ce permis spécial, a priori, permettait à l'entrepreneur de faire fonctionner des pompes très bruyantes et très puissantes 24 heures sur 24. Sur le chantier, on observe que l'entrepreneur n'a mis aucune mesure d'atténuation du bruit en lien avec le système de pompage.
Dans mes démarches, je me suis rendue au département des services d'inspection de la ville. J'ai parlé à l'employée qui a autorisé ce permis. Elle m'a expliqué qu'elle ne pouvait rien faire face au problème, comme le permis spécial a déjà été accordé et que le constructeur en avait besoin. Je suis restée un peu sans mots. Elle m'informe que le promoteur avait dit que l'utilisation des pompes allait être terminée à la mi-juillet 2021 et qu'elle avait une rencontre avec lui cette même journée et qu'elle va donner suite à ses plaintes des citoyens. Elle me promet de me rappeler. En date d'aujourd'hui, plus d'un mois plus tard, aucune nouvelle de sa part, rien n'a changé et la tumulte continue. Hier, le gérant du site de construction a fait part que les pompes vont fonctionner encore un minimum de 3 mois. Les eaux proviennent d'un tuyau brisé, c'est pas du souterrain. Les tests d'eau démontrent qu'il y a du fluor dans l'eau, donc c'est de l'eau de ville, et a priori, la ville serait au courant de cette problématique. Nous déplorons le manque de responsabilité, volonté et écoute de la part de l'administration de la ville dans ce dossier. Comment expliquez-vous que la ville émette des permis spéciaux à un promoteur au détriment de la jouissance paisible des lieux pour les citoyens avoisinants? Comment la ville peut-elle permettre des travaux qui impactent la qualité de vie des citoyens et notre santé sans qu'aucune mesure d'atténuation efficace soit mise en place pour des nuisances constantes comme le bruit 24 heures sur 24? Et qu'est-ce que la ville entend faire pour rendre la vie acceptable dans cette situation grave pour des résidents sans défense devant un promoteur qui a les droits des nuisances depuis des mois et sans aucune intervention et aucun égard de la ville pour protéger ses résidents devant de tels abus? OK. D'abord, je vais commencer en disant à quel point je suis profondément désolé de ce que vous vivez. Je ne suis pas au courant 100% du dossier. Ce que je comprends, c'est que le permis spécial a été donné. Puis je vais demander à Mme Couch de compléter aussi. Il y a eu le problème de fuite d'eau qui a permis l'arrivée de ces pompes-là. On me disait, moi aussi, que les pompes, c'était très temporaire. Je suis sonné d'entendre dire que vous vous êtes fait dire qu'on avait pour 3 mois encore. Ça, je ne suis pas au courant de ça. Et je vais demander à Mme Couch de faire le suivi, mais on va faire un suivi avec ça. Effectivement, si les pompes doivent demeurer pendant les prochains mois, il faut trouver des mesures d'atténuation absolument pour couper le bruit. Honnêtement, je pensais que c'était terminé. Le bruit, je suis profondément désolé de vous le dire. On m'avait dit que c'était temporaire et que c'était, il n'y avait plus ce bruit-là. Donc, l'idée de l'avoir pendant 3 mois, je suis comme vous, je trouve ça complètement inacceptable. On va trouver une solution. Donc, peut-être rajouter. Donc, juste pour vous dire que les pompes sont requises actuellement, il y a un problème d'eau au fond de la tranchée. On est sur le dossier, on est allé à plusieurs reprises, on était là encore vendredi. On a d'autres spécialistes qui viennent demain. On n'a pas de fuite qu'on a trouvée sur nos aqueducs. On a fait des recherches de fuite. L'excavation est à 3 sous-sols de profondeur. Donc, on est sous l'impression que possiblement c'est de l'eau souterraine et non pas de l'eau d'aqueduc. Le fait qu'il y ait du fluor dans l'eau ne veut pas nécessairement dire que c'est de l'eau d'aqueduc. L'eau à Ville-Mont-Royal n'est pas fluorée. Et donc, probablement dans l'eau souterraine, il y a du fluor aussi. On a fait des tests, on a mis du colorant dans l'aqueduc pour voir, pour essayer de retrouver. Donc, on est à la recherche, on a des experts là-dedans pour justement essayer de trouver d'où vient l'eau. Et demain, on a d'autres personnes qui viennent pour d'autres tests, voir s'il n'y a pas quelque chose qu'on est capable de découvrir et de trouver. Mais pour le bruit, on regarde aussi comment on peut l'améliorer. Là, il y a la quantité d'eau et le problème actuellement et d'où elle vient. Fait qu'on est absolument là-dessus. Mais les détails importent peu. Je remercie pour les détails, mais ça importe peu. Parce que des mesures d'atténuation peuvent être quand même mises en place. Quand on m'a dit 3 mois hier, mais ça fait déjà 4 mois. Donc, le permis a été accordé il y a plusieurs mois. Donc, merci pour les détails, mais ça ne règle pas le problème. Il y en a des solutions?
parce que je ne suis pas une experte du tout, je ne suis pas dans le field, mais sur Google, on peut trouver des solutions. Il n'y a eu aucun effort de la part de la ville ou de la part du constructeur pour nous aider dans ça, pour nous garder informés. Donc, j'aimerais avoir quelqu'un qui va faire le suivi avec moi ou que moi, je pourrais faire le suivi parce qu'on est rendu au point où j'ai une pétition avec moi, c'est pas juste moi. Il y a du côté du sac, c'est la même chose. Écoutez, je vous arrête. Oui, on va faire un suivi. Et je vais le prendre personnellement, de faire dès demain matin des demandes pour qu'on communique avec vous pour vous dire exactement quel est le plan de match pour rapidement trouver une solution à ça. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, Marianne Carmoni-Méjotte, 328 Avenue Trenton. En fait, je joins à la question de mon collègue Daniel tantôt sur le projet Royal Mount et votre explication en disant que les deux études commandées par la ville sont disponibles sur le site. Mais moi, personnellement, je vous ai imprimé. Et pour démontrer que les deux documents qui se trouvent sur le site de ville en disant que c'est les deux études commandées par la ville, ils ne sont pas des études. Le premier sous-titré urbanistique, c'est une présentation préparée pour le conseil d'agglomération de Montréal dans l'objectif de changer même la densité pour augmenter la densité d'occupation de sol résidentiel pour le secteur. Donc, selon les informations que j'ai cherchées partout pour savoir que c'est quelle firme qui était mandatée pour cette étude-là, c'était la firme Provencherois qui était mandatée pour faire l'étude urbanistique sur l'ajout progressif des logements dans ce coin-là. Et que cette étude-là et le rapport, le résultat de cette étude ne sont pas disponibles nulle part. Et que nous, on souhaite, personnellement, je souhaite avoir le rapport et voir comment cette étude-là s'était réalisée pour pouvoir vous accueillir ou vous suivre dans votre proposition d'insérer les résidentiels. Et le deuxième document, qui est le rapport fiscal de APSIS, c'est un résumé de 2 pages. Avec le titre, ça fait 3 pages. Donc, il n'y a aucune méthodologie présentée dans leur calcul. C'est juste un résumé avec des chiffres, avec des dollars, des signes de dollars, en disant que le projet est rentable pour la ville de Mont-Royal. Donc, ma question, c'est que, est-ce que la ville et les conseils municipaux, surtout Mme Michèle Setlacoui, qui a présenté le 13 juin la disponibilité de ce document et tout sur le site, est-ce que vous pensez pouvoir mettre en disponibilité de citoyens pour prendre connaissance de ces études-là, détail? La réponse est oui. Il n'y a aucune raison pour laquelle on... Oui, la réponse est oui. Donc, je vais voir à ce que le vrai rapport financier soit produit. Parfait. Et donc, ma deuxième question, c'est que est-ce que finalement, cette présentation qui était produite pour être présentée pour le conseil d'agglomération de Montréal dans le but de favoriser l'insertion de résidentiel et changer la densité d'occupation de sol, est-ce qu'il était présenté ou non? Non, il n'a pas été présenté. On a déposé un mémoire, je pense, en 2017, mais c'était le projet commercial. C'était pas du tout, à l'époque, on discutait pas du tout de la possibilité d'inclure du résidentiel. Donc, je ne crois pas qu'on n'a jamais produit de document auprès de l'aglo dans lequel on parle de l'arrivée possible du résidentiel. Parfait. Est-ce que vous pouvez donner une date pour laquelle on peut avoir accès à ces deux rapports-là, le détail de APSIS et le rapport de Provencherois? Je croyais qu'il était en ligne, le rapport de... OK, ben oui, je vais demander à quelqu'un de communiquer avec vous pour vous dire comment on va le rendre disponible. Parfait. Merci. Bonsoir, good evening, Tania Naïm, 235 Glengarry, Monsieur le Maire, councillors. Can we have an update on where we stand in regards to the Rockland PPU 2.0 version, please? Well, the project is stopped. We've did this summer the new traffic study. Results show exactly the same as the first traffic study. No big impact. And we've told the communard, the promoter, that
As our mandate is finished, is getting to an end, they will have to talk with the new council who's going to be elected in November. So nothing will move until then. Thank you. Bonjour, mon nom c'est Jean-Marc Séguin, je demeure au 115 Whitfield. J'ai entendu ce que la dame a dit par rapport au bruit qu'ils avaient de façon permanente. Vous avez dit que vous êtes sensible à ça, que vous ne saviez pas que vous alliez intervenir. Ma question c'est, est-ce qu'il y a un outil précis qui peut être mis de l'avant pour forcer celui qui travaille à respecter? Est-ce qu'il y a des mesures, des choses qui peuvent être faites comme, je ne sais pas, 1 000 $ par jour tant que ça n'arrête pas, ou des choses comme ça, ou les heures? Est-ce qu'il y a des choses précises qui peuvent être mises de l'avant que la ville peut faire? Je ne sais pas. Je ne suis vraiment pas un spécialiste de chantier. Ce que je comprends, c'est que la ville a des règlements pour encadrer un chantier, mais que là, dans ce dossier-ci, on parle d'un problème non prévu qui est le chantier est envahi par de l'eau. Alors, le bruit est causé par les pompes qui essaient de sortir l'eau le temps que quelqu'un trouve une solution d'où vient l'eau. Donc, c'est quoi les pouvoirs de la ville rendus là? Je ne les connais pas, mais il y a des gens dans notre équipe qui, eux, ils savent, qui ont ces réponses-là. Parce que l'impact sur les résidents est important, ça se trouve. Clairement. OK, merci. Merci. Alors, je note qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors, on va passer maintenant au point 4, qui est l'adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 12 juillet. Alors, je vais céder la parole à Mme Minziam Lotti. Oui, merci, M. le maire. I move to adopt the minutes of the council regular meeting of July 12, 2021. I'll second the motion. Merci, je demande un vote. Merci, c'est adopté. Je vais céder maintenant la parole à Maître Verdi pour le dépôt des documents. Oui, donc ce soir, nous déposons les documents suivants. D'abord, la liste des commandes de moins de 20 000 $, la liste des commandes de moins de 50 000 $, la liste des achats sans émission de bons de commande, la liste des chèques et des dépôts directs, un rapport du service des ressources humaines, la liste des permis et certificats émis au courant du mois de juillet 2021 et une version corrigée du sommaire et rapport financier de Ville-Mont-Royal pour l'année 2020. Merci beaucoup. Point 6, ratification pardon, des débours. Mr. John Miller. Oui, je propose de confirmer, d'approuver les débours visant la période 1er juillet au 31 juillet 2021. Payroll, $2,191,491. Suppliers and other payments, $1,706,987. CCM apportionment, $443,120. Water purchase, $124,862. Financing costs, $857, for a total disbursement of $4,467,317. And currently, we have in the bank $41,669,708, earning 0.82%. I second the motion. Merci, je demande un vote. Alors, le point suivant, je ne pense pas surprendre personne dans la salle de vous annoncer qu'il y a une élection municipale qui s'en vient. Il va falloir donc organiser cette élection-là. Elle coûte très, très cher. Je fais des blagues. Et il va falloir payer donc des gens pour que cette élection se déroule très bien. Alors, on doit donc décider de la grille de rémunération des gens qui vont travailler pour le scrutin. Alors, je vais laisser la parole à Joseph Daoura. Oui, merci. Alors, comme il a dit, M. le maire, dans le cadre de l'élection municipale qui va se dérouler le 7 novembre prochain, il va falloir recruter, embaucher et former le personnel électoral nécessaire à la tenue de cet événement. Donc, on prévoit combler environ 200 postes pour cette fin. La loi sur les élections prévoit que tout membre du personnel électoral doit recevoir une rémunération que le conseil peut établir un tarif de rémunération. So due to COVID, the hours for the vote will be extended and advance poll and the day of election will be opened from 9:30 in the morning to 8 p.m.
Before that, it was only 12 noon to 8 for the advance poll. So it will be an extension for the advance poll and the day of election to allow more people and to make the vote. So dans cette optique-là, whereas municipal election will be held on November 7, 2021 through the province, whereas the town will need to hire approximately 200 officials for these elections, whereas it's the interest of the town to provide a competitive remuneration compared to the neighboring cities to ensure a qualified, efficient personnel, I move to adopt the tariff of fees for election officers and to charge the cost for this activity at the operating budget appropriation. Sorry. C'est bon? John. Oui, ça marche. Oui. OK, appuyé par John Miller, je demande le vote. OK. Merci. Yeah, go ahead, John. This motion is to approve the purchase of 2 plow blades for snow removal purposes to replace 2 blades that are at the end of their useful life. 3 companies were invited to submit bids, and only one did. W. Cote and Fee. We have dealt with this firm in the past, and we've been satisfied with their service. So, I propose to authorize an expense for the amount of $64,271.02 for the supply and delivery of 2 plow blades, which includes all needed, as needed, all accessory costs. Je propose de modifier la description du projet 2021-3-20-10 pour l'achat de 2 lames chasse-neige afin de mieux définir le projet and to award W. Cote and Fils Limited the contract for this purpose for the unit price submitted for $64,271.02 in accordance with the tendering documents. I second the motion. Merci, je demande le vote. Point 9, le nettoyage des puisards de la ville, Madame Messette Lacouet. Oui, le présent contrat d'entretien annuel vise environ 2085 puisards situés dans les rues, ruelles, stationnements et parcs de la ville. Un appel d'offres sur invitation a été lancé le 23 juillet 2021. 3 compagnies ont été invitées et 2 des 3 compagnies ont déposé une soumission. So I hereby move to authorize an expense for the amount of $68,565, taxes included, to execute the contract C-2021-77 for the cleaning of catch basins, which includes as needed all accessory costs, to award to the company Veolia ES Canada Service Industriel Inc. the contract to undertake these works, with the unit price submitted for the amount of $65,300.51, taxes included, in accordance with the tendering documents, and to charge the expenses related to this contract under the appropriate item of the 2021 operating budget. J'appuie. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. Le point 10 maintenant est le système de pondération et d'évaluation que la ville doit se donner pour la construction de la passerelle Royal-Mante, donc la passerelle qui doit relier le métro de la Savane au futur Royal-Mante. Alors, je vais laisser la parole à Joseph Daoura. Oui. Alors, la ville désire recevoir des soumissions pour des services professionnels, des firmes d'architecture et d'ingénierie pour la surveillance des travaux de construction de la passerelle Royal-Mante. On parle à peu près d'environ 100 mètres de longueur, cette passerelle. La passerelle sera construite par Carbon Léo dans le cadre du projet Royal Mount par-dessus l'autoroute des Caries. Alors, il est très important de noter que cette passerelle est reliée au volet commercial du projet et non pas au volet résidentiel. Donc, on désire bien le clarifier. Le ministère du Transport a délégué à la ville la surveillance des travaux et les coûts seront remboursés par le promoteur. Alors, après la construction, le ministère oblige la ville d'être propriétaire de la passerelle. Une permission de voirie est nécessaire entre la ville et le ministère est présentement en préparation
De même, une entente doit être signée entre la ville et le promoteur Carbon Layout, qui est toujours en préparation. Le ministère doit également approuver le devis pour les services professionnels pour la surveillance des travaux de construction de la passerelle. Ces travaux sont prévus de débuter en automne 2021 pour une ouverture en fin de 2023. Donc l'objet du mandat est de fournir tous les services professionnels spécialisés dans toutes les disciplines reliées à la surveillance des travaux de construction de la passerelle, tels que notamment l'architecture, l'ingénierie civile, mécanique, structure, électricité, etc. Donc le mandat permet d'atteindre des objectifs comme le contrôle de la qualité des matériaux et des travaux, la sécurité des usagers pour assurer une bonne construction dans ce domaine. Le Conseil doit encore approuver le système de pondération et d'évaluation des offres pour services professionnels dont je viens de parler, et le système de pondération et d'évaluation des offres il respecte certaines règles qui sont établies par la loi. Ils sont 4 critères d'évaluation. Un comité de sélection d'au moins 3 membres, autres que les membres du Conseil, doivent siéger ou doivent décider dans ce domaine. Donc, dans cette optique-là, whereas under the City and Towns Act, whereas a contract for professional services for more than $50,000 is to be awarded, Council shall use a bid wagering and evaluating system, whereas the town will use a bid wagering and evaluating system for awarding a contract for the professional services for the surveillance and supervision of the construction of the Royal Mount footbridge, including all technical aspects like electrical, mechanical, civil structure, etc. I move to approve the bid wagering and evaluating system for the professional services for the surveillance and supervision of the construction of the Royal Mount footbridge. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. Adopté. Nous sommes maintenant au point 11. John Miller. This motion is required in order to manage our snow deposits. 8 companies were invited to submit bids, and only 3 did. 2 of those 3 bids did not conform, and the one that did, we have dealt with in the past, and we have been satisfied with their services. I propose to authorize an expense of $12,602 in 2021 for the rental of 2 bulldozers with an operator for the snow deposits from November 15th to December 31st, 2021, which includes all necessary costs. I also propose to authorize an annual expense of $84,014 in 2022 and 2023 for the rental of 2 bulldozers with an operator for snow deposits, which includes all, as needed, all accessory costs, and to authorize an expense of $71,412 in 2024 for the rental of 2 bulldozers with an operator for the snow deposits from January 1st to April 15th, 2024, which includes, as needed, all accessory costs. And to award 3024407 Canada Inc., FASRS Entreprise Velia, 1994, the contract for the hourly rental of 2 bulldozers with an operator for snow deposits at the hourly price submitted and terms of quotation for a total amount of $219,165.35 for the period between November 15th, 2021 and April 15th, 2024, for a guaranteed minimum of 400 hours each season in accordance with the tendering documents. And I propose to authorize the town manager to undertake the work related to this contract carried out within the financial framework of the adopted budgets of the town, all in accordance with the provisions of bylaws, policies, and procedures of the town. J'appuie.
Merci, je demande le vote. Merci, nous sommes maintenant au point 12 et je cède la parole à Mendiam Lotti. Oui, merci, Monsieur le maire. C'est au sujet de télésurveillance des systèmes d'alarme des bâtiments municipaux. Afin de protéger les bâtiments municipaux et ses occupants, différents systèmes d'alarme sont installés dans les bâtiments municipaux. Ces systèmes doivent être reliés à une centrale de télésurveillance. Il s'agit d'un contrat d'octroyer pour 3 années, soit le 1er octobre 2021 et au 30 septembre 2024. Un appel d'offres sur l'invitation a été lancé le 16 juillet 2021 et 3 compagnies ont été invitées à soumissionner. En accord avec la vérification des soumissions et de la compétence de soumissionnaire, nous proposons d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit à la centrale de contrôle d'alarme du Québec au montant de 8 995 $ 60 sous taxes incluses. La compagnie centrale de contrôle d'alarme du Québec effectue ce contrat depuis 2020 et nous sommes satisfaits des services rendus. Therefore, I move to authorize an expense for amount of $4,749 tax included in 2021 and for the amount of $18,996 tax included for 2022 and 2023 and another amount for the $14,247 tax included in 2024, plus the cost associated with the application of the CPI for the remote monitoring of the alarm system in the municipal buildings, and to award to the Centrale de Contrôle d'Alarme du Québec the contract to undertake these works with the lump sum and the unit prices submitted, $8,995.60, tax included annually adjusted according with the to the increase or decrease in the CPI for the period between October 1st, 2021 to September 30th, 2024, in accordance with the tendering documents. And to charge the expenses related to the contract to the operating budget 2021 to 2024. And I'll second the motion. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. Point 13 maintenant, les entretiens ménagers de certains édifices municipaux. Jonathan. Merci. So this contract applies to the daily maintenance and upkeep of the buildings located at 1020 and 40 Roosevelt. Given the COVID-19 pandemic, a mid-daily cleaning and disinfection is required for certain areas of the offices, and this will be for the months of September and October. As the pandemic evolves, this additional requirement may be modified accordingly as well. Alors, je propose d'autoriser une dépense de $41,520.93 pour l'entretien ménager pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 août 2022, d'accorder à Modern Concept d'entretien sec le contrat au prix unitaire et forfaitaire soumis pour un montant total de $63,983.59 taxes incluses pour la période comprise entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022, conformément au document d'appel d'offres, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au budget de fonctionnement 2021 et 2022. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci, c'est adopté. Le point suivant, le point 14, Mme Kennedy. Oui, alors, durant la période hivernale, les travaux publics utilisent du sable pour l'entretien des rues et les trottoirs. Le présent contrat consiste à la fourniture et la livraison du sable aux travaux publics. Il s'agit d'un contrat octroyé pour 3 saisons consécutives.
ceci de la saison 1 de 15 novembre 2021 au 30 avril 2022, 2022 au 2023 et 2023 au 2024. Tous les 15 novembre des années subséquentes, le prix soumis sera ajusté selon l'IPC sur le prix de l'année précédente. Un appel d'offres sur invitation a été lancé le 2 juillet 2021. Trois compagnies ont été invitées à soumissionner et deux ont déposé une soumission. Toutes les soumissions reçues ont été vérifiées et notées conformes et nous proposons d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme. So I move to authorize an expense for the amount of $4,929.40 taxes included in 2021 for the supply and delivery of sand for the winter maintenance of streets and sidewalks season, which includes as needed all accessory costs. To authorize an annual expense for the amount of $17,605 taxes included from 2022 to 2023, plus the costs associated with the application of the CPI for the supply and delivery of sand for the winter maintenance of streets and sidewalks, which includes as needed all accessory costs. To authorize an expense for the amount of $12,675.60 in 2024, plus the costs associated with the application of the CPI. And to authorize the town manager to purchase sand as required to meet the operational needs of the town, and this within the financial framework of the adopted budgets of the town, all according to town regulations, policies, and procedures. And to award to Les Sables Toins Inc. the contract to undertake these works with the unit prices submitted, in other words, $16,004.52, annually adjusted according to the increase or the decrease in the CPI for the three seasons between November 15th, 2021 and April 30th, 2022, November 15th, 2022 and April 30th, 2023, and November 15th, 2023 and April 30th, 2024 in accordance with the tendering documents. J'appuie. Merci beaucoup, je demande le vote. Donc, le point 15 maintenant, Mme Setlacoué. Oui, donc chaque année, la Ville de Mont-Royal emploie des camions pour les opérations de transport de la neige. En général, 8 camions 12 roues sont requis pour les opérations de la Ville. Les trois dernières saisons, la Ville a fait appel à une agence de courtage pour le camionnage en vrac, neige et glace. Des ententes de service avec la compagnie Transvac Montréal Laval Inc. sont conclues. La Ville est satisfaite des services rendus par cette compagnie la saison précédente et recommande d'entériner une nouvelle entente pour la saison 2021-2022. So I hereby move to authorize an expense for the amount of $41,000 taxes included to cover the period of November 1st to December 31, 2021 for the hourly rental of 12-wheel trucks with operator for the transport of snow, which includes as needed all accessory costs. To authorize an expense for the amount of $112,000 taxes included to cover the period of January 1st to April 30th, 2022 for the hourly rental of 12-wheel trucks with operator for the transport of snow, which includes as needed all accessory costs. To endorse the agreement between Transvac Montréal Laval Inc. and the Town of Mount Royal for the unit prices established by the Ministère des Transports du Québec for the period from November 1st, 2021 to April 30th, 2022 inclusively, in accordance with the Memorandum of Agreement, to authorize the town manager the undertaking of work associated with these contracts within the town budget adopted for 2021 and 2022, all according to town policies and procedures, and to charge the expenses related to these contracts under the 2021 and 2022 operating budgets. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci, adopté. Point 16 maintenant, ça concerne le remplacement des lampadaires résidentiels. Vous avez sûrement remarqué depuis quelques années qu'on a commencé à transférer nos vieux lampadaires Cobra, qu'on appelle, vers des lampadaires beaucoup plus respectueux de l'environnement, des DEL qui consomment beaucoup, beaucoup moins d'énergie. Et on a fait une grande partie de la ville. On poursuit donc avec ce contrat-là une autre section de la ville. Je vais laisser Michel Setlacoué nous le présenter. Oui, donc les lampadaires de type Cobra, localisés dans plusieurs secteurs résidentiels de la ville, ont atteint la fin de leur vie utile et doivent être remplacés.
Les nouveaux lampadaires de remplacement seront en aluminium peint vert et pourront remplacer l'ensemble des modèles de lampadaires de type Cobra existants. Les luminaires Dell existants, installés en 2019, seront conservés et réinstallés sur les nouveaux lampadaires. On parle ici du remplacement de 160 lampadaires. La plupart de ceux-ci seront remplacés dans le secteur localisé à l'est du chemin Rockland. Un appel d'offres public et électronique a été lancé le 10 juin dernier. 6 compagnies se sont procurées les documents de soumission. Parmi celles-ci, 5 ont déposé une soumission. Nous octroyons ce soir le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit à la compagnie groupe Thermolight Inc. Cette compagnie a déjà exécuté des travaux similaires pour la ville et ce, à notre satisfaction. So I hereby move to authorize an expenditure of $735,000, taxes included, for the purchase and replacement of residential lampposts, which includes, as needed, all accessory costs, to award to the lowest conforming bidder, Group Thermolight Inc., the contract C-2021-38, for this purpose, at the lump sum submitted, for a total of $667,393.31, taxes included, all in accordance with the tendering documents, and to charge these expenditures under loan bylaw E-2103. Voilà, le règlement d'emprunt 2103. OK, I second the motion. Merci, je demande un vote. Merci, le point 17 maintenant, Joseph Daoura. Oui. Il s'agit du renouvellement du contrat de location de 5 chargeurs sur roue sans opérateur. La ville utilise des chargeurs sur roue pour effectuer des travaux de déneigement des voies publiques et des différentes aires de stationnement. Pour ce faire, la ville a procédé à un appel d'offres public en 2017 pour la location de 5 chargeurs sur roue neuve des modèles Caterpillar, Komatsu ou équivalent, sans opérateur, pour les saisons hivernales 2017 jusqu'à 2020, avec option de renouvellement au gré de la ville pour les saisons hivernales de 2020 à 2022. La ville s'engage à garantir à l'entrepreneur un minimum de 150 heures par véhicule par mois pour chaque période du contrat. Chaque saison hivernale est d'une durée de 4 mois qui débute le 1er décembre au 31 mars inclusivement. Donc les 3 premières années du contrat étant complétées, la ville s'est déjà prévalue de l'option de renouvellement pour une première année d'option du contrat et elle désire exercer son option de renouvellement pour une deuxième et dernière année d'option du contrat pour la saison 2020, 2021 à 2022 dont la période est comprise du 1er décembre au 31 mars, vu que la ville a été satisfaite du travaux du promoteur ou bien de l'entrepreneur qui a fait ses travaux déjà auparavant. Donc, la compagnie équipement SMS Inc. a fourni les services de location et la ville se déclare satisfaite. Donc, dans cette optique-là, la résolution va être de la sorte. I move to award the renewal of the contract to the company équipement SMS Inc. to undertake these works with the unit price submitted according to CPI and for the amount of $93,318.60 tax included for the second and last optional year of the contract, period between December 1st, 2021 to 31st March 2022, all in accordance with the tendering documents. And to authorize an expense for the amount of $25,663 tax included in 2021 for the rental of 5 new wheel loaders without operator, model Caterpillar and Komatsu or equivalent for the period from December 1st, 2021 to December 31st, 2022. And to authorize an expense for the amount of $76,987 tax included in 2022 for the rental of 5 new wheel loaders without operator, model Caterpillar and Komatsu, or equivalent for the period between January 1st, 2021 to March 21st, 2022, and to charge all the expenses related to the contract for the operating budget of 2021. Et j'appuie la proposition. Merci beaucoup et je demande un vote. Merci, c'est adopté. Point 18, Madame Kennedy.
Oui, alors c'est le sujet, c'est le rejet des soumissions pour un contrat d'entretien de système d'éclairage de rue et de feu de circulation. La Ville de Mont-Royal compte plusieurs centaines de lampadaires pour l'éclairage de rue ainsi qu'une quarantaine d'intersections équipées de feux de circulation. Afin d'effectuer l'entretien des systèmes d'éclairage de rue et des feux de circulation, la Ville utilise les services d'un entrepreneur électricien. Dans le cadre de ce contrat, l'entrepreneur doit fournir toute main d'œuvre, le matériau, équipement et la supervision nécessaire pour la réparation de toutes les unités d'éclairage et des feux de circulation appartenant à la Ville de Mont-Royal. Il y avait un appel d'offres public et électronique qui a été lancé le 8 juillet 2021. Il y avait 4 compagnies qui ont procuré des documents et parmi celles-ci, il y avait 2 qui ont déposé une soumission. Malgré la conformité des soumissionnaires, des contradictions dans les documents d'appel d'offres ont été soulevées et la Ville a pris la décision de retourner en appel d'offres. Par conséquent, nous recommandons le rejet des soumissions. I therefore move to reject the tenders received for the maintenance of street lighting and traffic signal contract C-2021-74. I second the motion. Merci, je demande le vote. C'est adopté. Point 19, ça concerne donc des services professionnels pour la reconstruction d'une autre passerelle, pas mal plus facile à construire celle-ci, qui est la reconstruction de la passerelle Russell. Madame Sitlakwe. Ça, c'est un développement positif là, qui était prévu déjà au PTI. Donc, une première étape ce soir, la Ville de Mont-Royal désire démolir et reconstruire. La Ville désire démolir et reconstruire la passerelle localisée actuellement au coin de l'avenue Russell-Canora et de l'avenue Devon-Dunkirk. Construite depuis plusieurs années, la passerelle Russell a atteint sa durée de vie utile. Elle nécessite une reconstruction complète afin de rendre le lieu sécuritaire et plus accessible aux différents usagers, on pense entre autres aux cyclistes. Le projet prévoit la démolition et la reconstruction de la passerelle actuelle et également la possibilité de la déplacer. Ce faisant, 2 options seront présentées afin que la Ville puisse statuer sur l'option à envisager afin de mieux répondre aux besoins actuels. L'aménagement paysager et les accès à la passerelle sont également inclus au projet. Le projet devra être coordonné avec le REM afin de s'arrimer aux travaux en cours. Donc, le mandat consiste à retenir les services professionnels spécialisés dans toutes les disciplines reliées à la construction de la passerelle, telles que architecture, ingénierie, civile, mécanique, structure, électricité, arpentage, etc., incluant la surveillance de chantier. La reconstruction de la passerelle sera réalisée durant l'année 2022. Un appel d'offres par système de pondération et d'évaluation a été lancé à cette fin le 9 juin dernier sur le système CSEAO. 11 firmes ont commandé les documents d'appel d'offres, mais une seule a déposé une soumission, Éric Magère Inc. Le comité d'évaluation a complété son évaluation selon la grille de pondération adoptée plus tôt cette année. La soumission a été vérifiée et notée conforme. Par conséquent, en accord avec la vérification des calculs et la vérification de la soumission, nous proposons d'octroyer le contrat pour les services professionnels pour la première, deuxième, troisième et quatrième partie du mandat à la firme Éric Magère Inc., architecte, au montant de $166,685.01, taxes incluses. La cinquième partie du mandat pour la portion suivie, surveillance des travaux et autres services requis, sera aussi octroyé à cette firme, mais seulement lors de l'octroi du contrat de construction. Encore une fois, selon l'échéancier proposé, les travaux commenceraient au printemps 2022. L'ensemble du projet, incluant les honoraires professionnels, serait évalué à $3 millions au PTI 2021 de façon préliminaire. En général, les services professionnels sont de l'ordre de 10 à 15 % du coût de l'ensemble du projet, donc nous jugeons le montant raisonnable et acceptons la soumission pour les mandats 1 à 4. Pour la réalisation de ce projet, le montant de $166,685.01 est demandé pour couvrir les honoraires professionnels pour les mandats 1 à 4. De plus, afin de tenir compte des demandes additionnelles qui pourraient survenir, telles que des analyses de laboratoire, forage, caractérisation des sols et autres imprévus, une demande supplémentaire de $53,314.99 est demandée. Donc, la dépense totale demandée s'élève à $220,000. Un crédit budgétaire de $200,889.32 est nécessaire à la réalisation de ce projet.
Au PTI 2018, un crédit de 300 000 $ est prévu au surplus budgétaire pour la reconstruction de la passerelle Russell. Donc, nous avons les fonds nécessaires pour couvrir les dépenses de ce contrat. In that context, I hereby move to authorize an expenditure of $220,000, taxes included, for the professional services for the reconstruction of the Russell footbridge for the mandates 1, 2, 3, and 4, to award to the company Eric Magère Inc. the contract by weighting and evaluation system with two envelopes to undertake these works with the unit prices submitted for the amount of $166,685.01, taxes included, in accordance with the tendering documents, and to charge the expenses related to this contract under loan bylaw E-2103 with an amortization period of over 20 years. I second. Merci beaucoup. Je demande le vote. Adopté. Nous sommes maintenant au point 20. La préparation et l'entretien des patinoires l'hiver prochain. Jonathan Lang. Thank you. So for over 20 years, the town of Mount Royal has used the services of specialized companies to prepare and maintain the outdoor rinks. I can attest that spending an hour or two with my boys on one of the town rinks is a wonderful way of enjoying the outdoors in the winter and getting some fresh air on a cold winter day. To do this, we call on all the services of outside firms capable of providing this type of service. A public call for tenders was launched on July 15, 2021 for this contract for the 2021-2022 season, starting on December 6, 2021 and ending on March 13, 2022. The call for tenders included three new renewal options at the discretion of the town for the three subsequent seasons ending in 2025. As part of this contract, the contractor must provide all the labor and equipment necessary to prepare and maintain the outdoor rinks, all in accordance with the tender documents. The tender form for this contract provides for an annual unit price per square meter for all the services to be performed and a lump sum for an additional week of maintenance for the contract in the event that the temperature allows the use of the outdoor rinks past March 13. In addition, following several requests from our residents, we decided to add two large rinks to Mohawk Park, which was not included in the previous contract. Alors, je propose d'autoriser une dépense de $31,500 taxes incluses en 2021 pour la préparation et l'entretien des patinoires extérieures au parc Donnyloc, Connaught et Mohawk, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, d'autoriser une dépense de $100,209.61 taxes incluses en 2022 pour la préparation et l'entretien des patinoires extérieures et d'accorder à Technipark Inc. le contrat à cette fin au prix unitaire soumis jusqu'à concurrence de $131,709.61 pour la période comprise entre le 6 décembre 2021 et le 13 mars 2022, avec option de renouvellement au gré de la ville, conformément aux documents de soumission. Le montant inclut une semaine supplémentaire au cas où la température permettrait l'utilisation des patinoires extérieures pour plus tard que le 13 mars. Et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au budget de fonctionnement 2021 et au budget de fonctionnement 2022. J'appuie. C'est appuyé par? J'appuie. Appuyé par Michel. Le point suivant, ben je demande le vote. Merci, adopté. Point 21, des dépenses supplémentaires concernant les contrats pour l'entretien des systèmes d'éclairage de rue. Encore une fois, Jonathan. Merci. Donc, au conseil du 16 novembre 2020, le conseil a renouvelé le contrat pour l'entretien des systèmes d'éclairage des rues et des feux de circulation à la compagnie Instalum Inc. au montant de $123,238.31. Une dépense de $133,000 taxes incluses a été autorisée pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021. Un nombre plus important de bris et d'interventions au système d'éclairage des rues et des feux de circulation a été nécessaire en 2021
Ainsi, un montant supplémentaire de 70 000 $ taxes incluses, est demandé afin de couvrir les dépenses liées à ce contrat d'ici le 31 décembre 2021. So I propose to authorize an additional expense for the amount of $70,000 taxes included in 2021 to execute the contract for the maintenance of streetlights and traffic signals to the company Instalum Inc., which includes as needed all accessory costs, and to charge this expenditure under the 2021 operating budget. I second. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. Adopté. Nous sommes maintenant à la section concernant l'urbanisme et je vais laisser la présidente du CCU faire la lecture des recommandations. Merci. I move to approve the following plans held from our meeting of July the 16th, 2021. Plan number 2, 479 Walpole for paint exterior cladding subject to the siding of the Declin Must Be Canyon Clay Color 510 up to the pediment as well as the perimeter of the bay window. The garage door can also be painted canyon clay color and the windows must remain white. Plan number 3, 403 Devon for modification and repair of the roof coloring. Covering plan number 5, 44 Strathcona for window and patio door replacement, subject to the applicant also specifying the color of the shutters and soffits. And despite the non-favorable recommendation by the CCU for the iron ore color, this is approved. Plan numéro 6, 239 Brookfield pour modification au permis émis. Au permis, je veux dire, remplacement de la porte d'entrée de garage et porte arrière du garage, sous réserve que la porte d'entrée devra être celle proposée au mur arrière et vice-versa pour une question d'intégration et de meilleure modulation. Le comité a une préférence pour la couleur noire, mais la couleur rouge brique serait également recevable. Plan numéro 8, 8215 Mondview pour affichage. Plan numéro 9, 645 Kindersley pour modification de la marquise, du revêtement extérieur et d'ouverture en façade, sous réserve que il est demandé d'harmoniser le débord de toit sur tous les côtés, exemple d'un pied, au moins de vouloir spécifiquement une projection de deux pieds en façade. Plan number 11, 116 Cornwall for rear extension subject to the following. The upstairs window on the left elevation is too long and will need to be reduced to line up with the other windows. Plan number 12, 560 Mitchell for modification of a permit issued, the rear window subject to one of the following options chosen. Provide three windows with two panels as is with the same opening width, or provide two windows with two panels with the same opening width, or provide two windows with three panels with the same opening width. And plan number 13, 5850, Andover for facade renovation. De refuser les plans suivants de la réunion le 16 juillet. Plan numéro 1601 Laird pour changement du bardeau d'asphalte pour un revêtement en acier galvanisé. C'est refusé pour les raisons suivantes. La modulation de revêtement proposée n'est pas appropriée pour le style de la maison. La couleur rouge n'est pas une bonne proposition. Il y a une question de la qualité et durabilité du matériau. To approve the following plans from our meeting held July 30th. Plan number 1, 90 Fernley for modification to the issued permit, change of roof. Plan number 2, 116 Trenton for modification to an already accepted change on the left wall, subject to the proposed rough cast coating is admissible and must be of a color similar to the existing brick and provide for a material transition with a molding addition. Plan number 3, 2316 Lucerne for installation of an applied and collective sign. Plan numéro 4, 161 Appen pour ajout d'une fenêtre sur le côté de la lucarne et en cours avant, sous réserve d'aligner le linteau de la nouvelle fenêtre avec celui de la porte française sur la façade avant de la lucarne. Plan numéro 8, 116 Surrey pour transformation de la toiture. Et de refuser les plans suivants de la réunion tenue le 30 juillet. Plan numéro 6, 564 Keniston pour remplacement des fenêtres agrandissement avec une vestibule modification extérieure pour les raisons suivantes. Les interventions proposées ne permettent pas de préserver les caractéristiques volumétriques et architecturales de la typologie maison georgienne.
les proportions entre le pierre et le stuc seraient à revoir. S'inspirer de la modulation et les divisions en carreaux des fenêtres d'origine pour les traitements des ouvertures, s'inspirer des caractéristiques architecturales, volumétriques et paysagères de la typologie maison georgienne, soumettre un panneau d'échantillon des matériaux. Ça ne fonctionne pas en termes de structure en dimension de vestibule par rapport au soufflage en pierre au deuxième étage. Et le vestibule n'est pas approprié, proportion des ouvertures et modulation des fenêtres ne sont pas appropriées. Plan number 9365 Stansted for side and rear enlargement refused for the following reasons. The proposed does not respect the style of the original home, must be inspired by the architectural, volumetric and landscape characteristics of the English manor topology. It is too busy and it's recommended to reduce the number of materials. The members are wondering why the windows are aligned on the facade. The materials of the two roofs must be the same. The bullseye windows are not necessary and the stone buttress must be kept. Plan number 9476 Lethbridge for modification and repair facade refused for the following reasons. The size of the brick and the color are not admissible. To approve the following plans from our meeting held on August the 13th, plan number 1218 Surrey for replacement of the windows and addition of patio doors subject to the following. The color is acceptable, but the main window on the ground floor should be divided into four equal sections to respect the original windows and promote better integration with the windows on the second floor. Plan numéro 2239 Brookfield pour modification au permis, remplacement de la porte d'entrée du garage et porte arrière du garage. Plan numéro 4, 175 Caledonia pour remplacement des fenêtres en saillie et ajout d'un soufflage en bois aux portures de la porte. Sous la réserve suivante, que la modulation des fenêtres en saillie doit demeurer telle qu'existante comme elle est illustrée sur le rendu 3D, soumettre une élévation architecturale revisée. To refuse the following plans from the meeting held on August the 13th, plan number 65870 Andover for construction of an industrial building, refused for the following reasons. The volume is too imposing and monolithic compared to its neighboring buildings. The heavy and dark exterior cladding and treatment of the facades is to be reviewed, and the materiality in order to introduce other materials such as brick to make the building less massive. The company sign should be inserted in the drawings in order to be able to analyze the final appearance of the building. And to modify resolution number 210605 of June 14, 2021, by replacing plan number 12A, 592 Berwick for change windows by plan N12A 592 Berwick for painting the outline of the windows, the garage door, and the aluminum siding. I second the motion. Merci beaucoup. Je demande le vote. C'est adopté. Nous sommes maintenant au point 23, qui est le renouvellement de mandat de deux des architectes au CCU. Madame Kennedy. Oui. Alors, le mandat des professionnels, M. Luc Trudeau et M. Jean Baudouin, à titre des membres nommés de CCU, vient à terme le 21 octobre 2021 pour M. Trudeau et le 31 décembre 2021 pour M. Baudouin. Conformément au règlement, les mandats peuvent être renouvelés. La rémunération des membres nommés est fixée à 500 $ par réunion. M. Trudeau et Baudouin ont exprimé leur intérêt à demeurer membres du CCU. Les deux sont des atouts importants pour le CCU et contribuent grandement au bon fonctionnement du CCU. Il est à l'avantage de la Ville de renouveler leur mandat. Toutefois, afin de permettre au nouveau conseil de prendre les décisions et orientations qu'il désire en ce qui concerne le CCU, nous proposons de renouveler les mandats, mais jusqu'à la fin du mars 2022 seulement. So I move to renew in accordance with our Planning Advisory Committee bylaw the terms of office of Mr. Luc Trudeau, architect, and Mr. Jean Baudouin, urban planner, as appointed members of the CCU, receiving a remuneration of $500 per meeting attended, and to terminate their mandate on March 31st, 2022. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. C'est adopté. Nous sommes maintenant au point 24, qui est l'approbation d'un PIA au 247 Chester.
Je vais laisser Joseph Daoura le présenter. Thank you. On se rappelle que le Conseil a déjà approuvé en juin 2021 les plans pour l'agrandissement et la rénovation majeure au 247 Chester, malgré la recommandation non favorable du CCU à cet effet. Donc, le Conseil a utilisé ses prérogatives pour renverser la décision du CCU. À cet effet, des modifications à l'implantation et aux façades ont été apportées. Donc, les nouveaux plans reflétant ces changements doivent maintenant être approuvés par le Conseil. Donc, dans ce cadre-là, la résolution va être de la sorte. I move to approve the revised PIA plans dated August 12 and 16, 2021, modifying the plans approved by resolution on 16 of June 2021 and concerning the project at 247 Avenue Chester. And I will second the motion. Merci, je demande le vote. Donc, je note que John Miller et Aaron Kennedy n'ont pas voté pour. Non, c'est ça. Voilà. Noté. Donc, point 25 maintenant, John Miller. This motion has to do with adopting a recognition policy for TMR staff and put in place salary adjustments. This motion also recognizes three employees who've been hired into management positions. So I propose to adopt the recognition policy of the Town of Mount Royal management staff dated August 23rd, 2001, and to put in the salary adjustments, and to name Mrs. Halle Gabrine, Melanie Ketchien, and Andrea DeLille to the positions of Section Head, Technical Services, Engineering Division, retroactively to March 15th, 2021, and to award them a remuneration according to the recognition policy of management personnel, and Halle Gabrine and Melanie Ketchien. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant au point 26, qui est l'avant-dernier point, qui est en lien avec le conseil d'agglo. Donc, ce jeudi, il y a un conseil d'agglomération et j'irai représenter la ville. Enfin, j'irai pas vraiment puisque c'est encore en Zoom, mais je serai présent pour représenter la ville de Mont-Royal. Et à cet effet, j'ai besoin d'une orientation. Je vais demander à Jonathan Lang. So, whereas the mayor must set out the position that he intends to take on the matters on the agenda of the August 26, 2021 regular sitting of the Urban Agglomeration Council and discuss that position with the other members present in order to adopt the resolution establishing the council's stance, je propose de mandater le maire ou son représentant à assister à la séance ordinaire du conseil d'agglo du 26 août 2021 afin de prendre toutes les décisions qu'il jugera appropriée sur les dossiers présentés à cette séance en se basant sur l'information qui sera fournie et ce, dans l'intérêt supérieur de la ville de Montréal. J'appuie. Merci, je demande le vote. C'est adopté. Nous sommes au point 27. Il n'y a pas d'affaires diverses. Point 28. Il y a maintenant une période de questions. Si jamais il y a des questions supplémentaires. Oui, il y en a une. Donc, période de questions. Bonsoir. Antoine Taillard, habitant 2265 Chemin Sénéca. Bonsoir. Ma question est maintenant avec l'arrivée de l'école, le début de l'école bientôt, les élèves doivent passer d'un côté à l'autre pour aller à Saint-Clément-Est. Est-ce que pendant combien de temps ils vont utiliser cette passerelle qui est, que moi-même je ne l'utilise pas parce que je la trouve assez dangereuse, combien de temps ils vont utiliser ça? Et ça c'est, j'ai une suite à cette question concernant le passage Russell. Donc, la passerelle qui appartient à CDPQ Infra, la grande, là, va rester tout aussi longtemps que les travaux au centre de la ville ne seront pas terminés. Donc, ça veut dire la réouverture du pont Cornwall et l'ouverture du nouveau parc, du parc Place Station.
pas idéal, mais bon, on doit vivre avec. Ma question concernant la passerelle Russell. Je comprends qu'il y a 3 millions de dollars qui sont impliqués et bon, on a dû sacrifier un passage que moi j'appréciais énormément. Je voyais les enfants passer avec leur vélo, les parents avec leur poussette. Et là, je comprends qu'on fasse à quelque chose qui est avec des escaliers. Donc, on va déjà éliminer une possibilité pour les enfants de faire un petit vélo le matin en allant à l'école. Mais ce 3 millions que nous sommes supposés payer, est-ce que vous avez considéré le partager certains coûts, étant donné qu'on fait de grands sacrifices pour le REM? Est-ce que vous avez pensé à demander une compensation ou un genre de contribution de la part de la Caisse des Jardins là-dessus? OK. La nouvelle passerelle Russell, c'est pas clair encore s'il va avoir un accès vélo. Nous, okay. On le souhaite, que ça soit accessible au vélo. C'est pour ça qu'on embauche un consultant. C'est le contrat qu'on a donné ce soir. C'est pour qu'ils puissent nous produire différentes options. Évidemment, l'option suprême serait d'avoir une passerelle accessible handicapé, accessible poussette, accessible vélo et tout. Donc, on va voir ce qui va arriver. Pour ce qui est de la contribution, non, on n'est pas en discussion du tout. La passerelle actuelle nous appartient et on doit la refaire. C'est 100% à nos coûts. Ce qui est sûr, c'est qu'on veut la faire rapidement parce que tant que les trains ne roulent pas en dessous, c'est le bon moment pour faire des travaux. Sinon, ça va augmenter considérablement les coûts de devoir faire des travaux alors qu'il y a du trafic en dessous. Alors, voilà. D'accord. Une remarque que j'aimerais passer parce que j'ai été indigné par la réponse que vous avez mise concernant le centre sportif. Je trouve nommer quelqu'un pour le blâmer, je pense que c'est complètement inadmissible. En tant que contribuable, je trouve ceci inadmissible et vraiment manque beaucoup de pertinence et de respect. Mais okay. Je pense que le changement est très important. C'est pour ça que nous sommes ravis d'avoir les élections bientôt. Mais je pense que ça a été entièrement mal placé de blâmer une situation défaitiste sur quelqu'un. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une équipe. Il y a deux équipes présentement. Il y en a une qui... Tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle vomit sur l'administration en place. Et il n'y a pas juste le chef de ce parti-là, il y a vous aussi. Alors, j'ai le droit de me permettre de remettre les pendules à l'heure. Je trouve que vos mots sont très mal placés. Vomir, ce n'est pas un mot qu'un contribuable apprécie d'un élu qui le représente. Je ne pense pas que ça nous représente, ce genre de paroles qui sont très mal placées. Okay, je vous entends, mais je trouve que c'est des paroles appropriées quand même. Mais ça parle de vous-même, ça ne parle pas d'autre chose. Merci. Merci, bonne chance. Marianne Carmodinéjo, 328 Avenue Saint-Jean. Vous pouvez enlever votre masque, oui. Merci. Je répète, Marianne Carmodinéjo, 328 Avenue Saint-Jean. En fait, au début de séance, ce soir, vous avez répondu à une question par rapport au projet PPU Rockland et la nouvelle étude de circulation, et vous avez donné un résumé sur le résultat qui approuve le même résultat que précédent. Donc, j'aimerais ajouter dans ma demande de tantôt avoir accès à ce rapport-là également. Donc, un rapport est réalisé à la demande de ville avec l'argent du contribuable. Donc, je pense qu'on a droit à avoir accès à cette étude et le contenu. Donc, vous pouvez, s'il vous plaît, ajouter aux listes de rapports de Provencherois et Apsis, le troisième qui était fait pour Rockland. Oui, l'étude, on n'a pas l'intention de la rendre publique pour l'instant, puisque le dossier est sur pause. Alors, ça sera la nouvelle administration en novembre de décider si jamais ils veulent repartir le dossier, ils rendront public l'étude. Okay. Comme le dossier est sur pause, on ne rendra pas public l'étude pour l'instant. Ah, OK, parfait. Et si vous permettez, je vous laisse les coordonnées de Mme Claudia Parker, qui était là tantôt pour le problème de l'aqueduc et le pompe, le bruit proche de chez elle. Donc, elle est partie parce qu'il y avait un enfant, donc je vous laisse. Merci beaucoup. Rebonjour, j'ai juste une petite question additionnelle concernant le skate park. Je sais qu'on... Il était prévu qu'au mois de juillet, le skatepark soit rénové. Malheureusement, les appels d'offres sont sortis trop élevés, les soumissions. Est-ce que vous avez pensé à éventuellement retourner en appel d'offres pour ceci ou à revoir le projet de façon à ce qu'il soit plus acceptable au niveau des coûts? Je vais laisser Mme Couch répondre.
Nous sommes actuellement en appel d'offres. On est retourné en appel d'offres. On est allé, je pense, ça a été annoncé la semaine dernière ou fin de l'autre semaine. On va ouvrir bientôt et si tout va bien, on va être ici au mois de septembre pour octroyer un contrat. Et est-ce que le projet a été revu ou c'est simplement une deuxième... Non, c'est semblable à ce que c'était initialement. OK, merci. Bonsoir, Sébastien Dreyfus, 217 Avenue Carlisle. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire, les conseillers. Ma question est relativement au... tout à l'heure, on a posé un contrat pour une extension de l'argent pour les feux de circulation. Et je voulais savoir... le feu de circulation pour piétons qui est actuellement en clignotement rouge depuis plusieurs mois devant le chemin Moyle et le croissant Lambert allait être remplacé ou corrigé, surtout qu'il y a eu des modifications au terre-plein qui joint le boulevard L'Herbe à cet endroit. Et je voulais savoir si il était prévu de corriger la situation. Pour autant que je me souvienne, ce feu de circulation est le même depuis que je suis tout petit et il n'est pas très efficace. Ça a toujours été un secteur problématique. Vous vous rappellerez, il y a déjà en 2012, lors du centenaire, c'était 3 voies, on l'a réduit à 2 voies en créant notamment la place du centenaire. Donc déjà, on essayait de trouver une façon d'apaiser la circulation. Là, avec l'élargissement du terre-plein dans le triangle, on pense encore une fois à réussir à ce que les gens rentrent dans la zone beaucoup moins rapide en voiture. En ce qui a trait à traverse de piétons, elle était, ce que je comprends, et je laisserai Mme Couch compléter, mais qu'on la jugeait dangereuse. Et là, on s'enligne pour garder un stop obligatoire à cet endroit-là pour obliger tout le monde à arrêter pour sécuriser les gens qui traversent le passage aux piétons. Mais je vais demander s'il y a plus à ajouter. Anciennement, c'était un clignotant jaune, donc be careful sur Laird, et c'était le rouge, donc arrêt sur le côté Moyle. Les normes ont changé, et donc ce n'est plus aux normes. Il faut qu'on ait un panneau stop, ou clignotant rouge, ou peu importe, là, mais le jaune, rouge ne fonctionne pas. Donc, c'est pour ça qu'on l'a fait temporairement, il est avec des stops temporaires, mais on va l'arranger mieux, mais ça va être rouge, rouge, clignotant, donc un stop dans les deux directions. C'est un abandon du feu de circulation ou du feu de passage pour piéton. C'est l'abandon d'un feu de circulation ou d'un passage pour piéton. Mais oui, c'était pas un vrai feu de circulation. Non, je comprends, c'est un feu à décompte pour à pousson. Je rappelle, mais ça ne fonctionne plus comme ça. D'accord, merci. Merci Sébastien. Alors, je constate qu'il n'y a pas d'autres questions, donc je vais laisser John Miller. Je propose de lever les séances. J'appuie la résolution. Merci, je demande le vote. Alors, merci, la séance est levée. Bonne soirée à tout le monde et on se revoit au mois de septembre. Merci.